Bon, voilà. Bienvenue à tout le monde. Et pour venir à cette assemblée générale, je vais faire le travail du secrétaire, puisqu'aujourd'hui il est empêché, donc voilà. Vous n'allez pas écrire, hein, surtout. Si. C'est moi. Voilà. Donc, je vais vous faire un petit peu l'historique de l'année qui est. Bon, il est vrai que 2019, enfin 2020, il n'y a pas eu d'activité, puisque pour ainsi dire, vous comprenez pourquoi. Donc là, on a repris depuis juin l'année dernière, on a commencé un petit peu, parce que bon, il fallait un petit peu s'occuper de nos chemins, parce que ça commençait un petit peu à devenir fermé. Voilà. Donc à partir du 24 juin, on a travaillé un petit peu, on a fait le chemin du Vidrac, là, parce qu'il y avait des soucis de ronce. Disons que sur le mois de juin, on a continué un petit peu le balisage sur le circuit des Asphodèles là-haut. Donc ça, c'était parfait. Et après, on a commencé à revenir sur la commune du Kéla, qui se trouve derrière. C'est notre nouveau chantier pour un futur circuit complémentaire des deux, entre celui-là et celui de la carrière. Là, on a passé tout le mois de janvier, donc on a sauté de juin, on est allé directement en janvier, et à partir de janvier, on a démarré. Ensuite, après février, il y a Bernard qui nous a rejoint en termes d'adhérents actifs. Ensuite, Antoine. Bernard, il est très actif. Antonio. De la Vega. Voilà. Donc, on a profité, bien sûr, comme je l'expliquais tout à l'heure, on va essayer de regrouper les trois villages en termes d'action sur les constructions. Lui, il s'occupe du côté de Gary. Il a une Gary sur le village. Donc on lui a donné un petit coup de main pour opérer son terrain. Donc là, à partir de là, après, du moment qu'on a quand même deux renforts de plus, on se sent un peu plus. Et puis ça oblige un peu. Donc on a attaqué la communauté là, et là on a commencé, bien sûr. Et de plus, ça apporte quatre bras de plus, et en même temps, une autre façon d'attaquer les travaux et de les terminer. Parce que notre manie, c'est d'attaquer vite, non, de non, le non, finir. Non. Qui a dit ça? C'est Marie, ça. Donc maintenant, grâce à eux, on les démarre comme il faut et on les finit encore mieux. Voilà. Voilà. Mais vous étiez nuls avant. Ça, j'ai plus vite au passage pour. Avant, on n'avait pas de fonctionnaires dans l'équipe dont ils ont mis. Mais maintenant, on a des fonctionnaires et. On a, la première qu'il a faite, on l'a baptisée à son Sky Moon, à son surnom. Voilà, ça c'est fait. C'est lequel le surnom? C'est le Perdigal. Dis-le. Ah oui, c'est vrai, le Perdigal, si vous ne savez pas, c'est là. C'est le petit Perdigal. C'est le Perdigal. Le Perdigal, c'est le Perdigal. Donc, on a fait ça au mois de mars. Après, bien sûr, Pierre, il est toujours à la recherche d'activités, il ne peut pas s'en empêcher. On en a trouvé une au groupe plus haut. Donc celle-là aussi qui est magnifique. Alors on l'a trouvé grâce au petit-fils qui arrive avec un drone. On a repéré sur Google Maps. Vous pouvez vous amuser à le faire. Vous allez sur Google Maps et dès que vous voyez quelque chose de rond avec un trou au milieu qui ressemble à un petit volcan, un truc comme ça, eh bien vous le signalez. Alors je l'ai signalé à Lenny là qui arrive. Il a un drone. Il a envoyé le drone de la maison, hein, je veux dire, sans se déplacer. Effectivement, c'était une capitale. Et on a attaqué. Et c'est où? Et donc, à partir du moment où on a mis la main sur le droit, on a fait le jour, et là, on a trouvé l'autre. Donc, celle-là, là-haut, elle s'appelle la capitale du Kéla. C'est la seule magnifique, en plus. Donc là, une troisième, donc, sur le même site. En plus de signer, alors, par contre, là, on est allé se dépêcher vite. On nous a appelé, problème à Bonnefoy. Quelqu'un nous fait des misères. Nous a tombé les cailloux qu'on avait rangés, qu'il avait déjà tombé, on les a remontés. Donc là, on a remis en état, donc il va falloir que ça s'occupe de ce problème. On va lui faire une surprise, ce monsieur. On essaiera de lui faire une surprise.
Le bonheur de l'équipier sous le pire. Ouais. Exactement. Et voilà. Ensuite, après, bien sûr, on a donné, comme c'est des mois à trous, on a, comment dire, nettoyé le circuit de la grande réserve pour faire une sortie avec une petite association sur Moupian, des guetteurs. On leur a fait une balade. Hein, et voilà. Et donc, après, on est revenu à communiquer là. Et en termes, au niveau activité, voilà, depuis le